Oh le pauvre. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan complet depuis le début de saison qui est vraiment très 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 intéressant. On va pas dire exceptionnel, mais on n'en est pas loin. C'est un des meilleurs débuts de championnat depuis très longtemps. En tout cas, c'est la première fois depuis 3 ans, parce que ça fait 3 ans que je suis à 40 ans, il n'y a jamais eu un début de saison aussi parfait que celui-là. Donc on va y revenir un petit peu en détail, tous les matchs de prépa. Donc vous en avez vu quelques-uns sur YouTube, sur les vidéos. Et puis ensuite, il y a eu un autre contre Cherbourg. Premier match de Coupe de France, les deux premiers matchs de championnat. Et le nouveau match du coup de Coupe de France. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Installez-vous bien parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Vous l'avez vu, après avoir affronté le FC Saint-Lô-Manche en match de préparation et au Minervois, on avait affronté ensuite l'Aisch Cherbourg. Donc on avait déjà 2 victoires en 2 matchs de prépa. Match contre Cherbourg, je vous mets un petit résumé du match tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cherbourg a fini 4ème de N3 l'année dernière. Sauf qu'ils ont des problèmes d'argent depuis très 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 longtemps, ce qui fait qu'ils ont été rétrogradés carrément en Régional 3. Comme vous pouvez vous en douter, beaucoup de joueurs sont partis. Il y en a beaucoup qui sont restés aussi, donc qu'est-ce que ça donne maintenant? Sachant que c'était pas non plus leur équipe type, il leur manquait des joueurs, mais c'était quand même une belle équipe de Cherbourg qui est en face de nous. Le petit résumé du match contre l'Aisch Cherbourg pour le 3ème match de préparation R2 face à R3. Je vous montre ça tout de suite. Qui donne 3 victoires en match de préparation, victoire contre Minervois, victoire contre le FC Saint-Lô, victoire contre l'Aisch Cherbourg. La prépa, c'est bien de gagner, c'est bien d'avoir les sensations, tout ça, mais c'est un match officiel qu'il faut montrer les choses, parce que c'est bien de gagner en prépa. Maintenant, si on fait rien en match officiel, si on fait rien pendant les compétitions, bah c'est un peu inutile tout ce qu'on a fait pendant la prépa. Donc premier match de Coupe de France, c'est le premier match de la saison. On est en R2, donc on rentre au deuxième tour de Coupe de France. On joue face à Condé, club de Régional 3. Objectif, ne pas se faire sortir dès le deuxième tour. Il y a 2 ans, on s'est fait sortir par Vasteville au tir au but. L'année dernière, on s'est fait sortir par Perrier alors qu'on avait gagné 4-1 en Coupe de France. Malheureusement, 2 joueurs suspendus n'auraient pas dû jouer, donc match perdu sur tapis vert 3-0. Cette année, c'est hors de question de faire la même chose. Donc match de Coupe de France, j'ai pas les images du match. Victoire 3-0 contre Condé pour le premier tour de Coupe de France pour nous, donc c'est-à-dire le deuxième tour. Ensuite, match contre l'Aisch Tour-la-Ville, mon ancien club. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je me suis blessé contre Condé, je suis tombé sur les côtes, enfin un gros duel avec un défenseur et je me suis fait mal sur les côtes, j'ai pris du temps à m'en remettre, donc j'étais pas là. Mes premiers matchs officiels contre l'Aisch Tour-la-Ville, club qui était en Régional 1 l'année dernière, qui sont descendus en R2, donc ils ont fini avant-dernier, il me semble. Premier match pour eux en R2, contre nous, du coup, chez nous, à domicile. Qu'est-ce que ça a donné 40 ans Tour la ville, les images du match. Ouais.
La très belle victoire face à l'Estoril-la-Ville, 3-0. Et maintenant, faut enchaîner avec le week-end d'après, un déplacement hyper compliqué à If. C'est pas une équipe qui nous réussit habituellement. À chaque fois, on fait des scores très serrés, des 0-0, des 1-1. L'année dernière, défaite 4-1 là-bas. C'est toujours des matchs très compliqués là-bas, il y a une tension particulière. Donc, objectif, rester sur la continuité du match de Tour-la-Ville. 3 points, c'est bien. Maintenant, si on peut avoir 6 en 2 matchs, c'est le but, on va pas s'en priver. Et ouais, 6-0 à If, 9 buts marqués en 2 matchs, 0 encaissé. Ne surtout pas s'enflammer puisqu'il y a un match de Coupe de France qui arrive. On joue demain dimanche, on est samedi. Aujourd'hui, je vais au stade Michel Dornano à Caen voir Caen Saint-Etienne avec mes U13. Et les joueurs ont la chance d'aller sur le terrain à la mi-temps pour essayer de marquer les buts en espérant que ça se passe bien. Mais voilà, le principal, c'est qu'ils prennent du plaisir à marcher sur un stade de Ligue 2 devant 25 000 personnes. C'est un rêve pour eux. Donc nous, on va passer un petit moment assez sympa. On va regarder le match Caen Saint-Etienne. C'est une très belle affiche. En espérant une petite victoire de Malherbe, je vous emmène en petit vlog. Et ensuite, on se retrouvera pour le match de Coupe de France le lendemain. D'accord. Toi, tu es concentré sur le tireur qui va venir. Hein. Donc, le tireur, lorsqu'il a fait son tir, il récupère son ballon et il revient dans le central. Quel coach ? Aujourd'hui, on va jouer en 4-4-2. Ouais. Losange, Malherbe. Ça, il s'est déjà perdu. Le terrain, il est incroyable, il prend aucun dégât. Regarde le gazon là. Il y a qui s'agit. Pronostic, mon Thierry. Victoire 2-1 de Malherbe. Merci. Moi, je dis victoire 3-1. 3-1 de Malherbe. Voilà, 1-2-1. S'il vous plaît, Mendy. Tu vas marquer toi ? Ah oui, logique. Ok, on verra. Logique. Milan avec le chef. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Oh non, on est méchant. Deuxième match. Evan. Pour la vidéo, fais un passement de jambe au début. Non. Au tout début. Non. Au tout début, vraiment. Non. Allez. Non, Antoine.
Evan, je te paye une canette. Evan, tu fais pas ce moins de jambes et tu marques, je te paye une canette. Non, non, non. Même pour une canette. Dribble goal, dribble goal. Non. Balle piquée. Mais moi, j'ai... Non. Moi, j'ai envie de profiter. Allez, Ben. Allez, Ben. Déjà qu'à 40 ans, il est en stress. Dommage. Faut avancer plus, hein. Oh, Evan. Evan, la panenka. La panenka. Comment il s'avance? Oui, Evan, oui! Ah, il fait le mec. Ah, il fait le mec en vrai? Ah! Il a raté! Ouais. Il a mis! Fin du match, c'est bien rentré à 40 ans. Défaite 2-1 du Stade Malherbe face à l'AS Saint-Etienne. C'est un beau match avec une très belle ambiance. On va se retrouver maintenant, nous, demain pour la suite de ce vlog avec le plus important, la Coupe de France face à l'US Saint-Pierre, club de Régional 2. Objectif, gagner, passer le troisième tour pour aller au quatrième. Et qui dit quatrième dit les maillots. Si on perd, c'est ciao. Objectif, gagner, remporter ce tour face à l'US Saint-Pierre, club de Régional 2 qui est dans notre poule. Saint-Pierre, on les a affrontés l'année dernière, on a gagné 2-1 chez eux. C'était une très belle victoire. Et on sait, c'est toujours particulier de jouer ces équipes-là. C'est des équipes qui lâchent pas. C'est pas forcément du très très beau jeu, mais ça lâche jamais en fait pendant 90 minutes. Et faut jouer notre jeu, faut continuer sur la lancée. Donc on reçoit, on a la chance de recevoir puisqu'on s'était déplacé à Condé pour le deuxième tour de Coupe de France. Cette fois-ci, c'est à domicile. Match face à l'US Saint-Pierre pour le troisième tour de Coupe de France. Objectif, les maillots pour le quatrième tour. C'est parti pour le résumé du match.
En tirer quand même. Donc maintenant, le meilleur il est devant. Allez, on va faire ce parcours. Allez, ensemble, les gars, le cri de guerre. 40 années, tous ensemble, on chantera. Cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais.